Bonjour, aujourd'hui on est dimanche, on se retrouve, il est un petit peu tard, il est 3h30, faut que je me brouille. J'étais partie chez Jiffy pour essayer de trouver un thermomètre de cuisine parce que je n'en ai pas et que je vais me faire les cheveux cet après-midi. Enfin, Rémi va me faire une couleur pour mes petits cheveux. Et donc j'étais partie chercher, vous savez, normalement les thermomètres que vous piquez dans la viande ou quoi pour surveiller la cuisson. Et comme je vais me faire une coloration végétale Kadi, qu'il ne faut pas que ça dépasse 50 degrés, sinon je vais me retrouver avec les cheveux rouges, chose que je ne veux pas. Il me faut un thermomètre en fait, et j'avais regardé sur internet, apparemment chez Jiffy ils en avaient, sauf qu'ils ont... j'ai pas trouvé. Donc je vais aller voir à la foire fouille en espérant trouver mon bonheur. Et puis si je trouve pas mon bonheur, tant pis, ça attendra. J'en achète rien dans la semaine, je ne sais où. Hein. Et puis voilà. Et dégoûté, j'avais vu des poufs sublimes pour la table basse, pour que les enfants n'arrivent de manger sur la table basse. C'est pas une bonne idée. Voilà, faudrait qu'on arrête, mais bon. Et j'avais vu des poufs qui étaient magnifiques. Je les ai pris en photo, je vous les ferai voir. Ils étaient dorés. Avec l'assise bleu foncé, mais bleu comme les canapés en velours. Sublime le truc, parfait. Mais en fait notre table basse qui vient de chez Maison du Monde, et si ça vous intéresse d'ailleurs, c'est le modèle Sorbonne, mais qui n'est plus vendu, enfin manguier. Et en fait elle fait 33, mais juste en dessous du plateau. Et le pouf fait 33 cm. Donc ça va pas. Voilà, à quelques centimètres près ça ne va pas. Enfin ça aurait pu aller, mais les enfants n'auraient pas été droits devant le truc. Donc Rémi, du coup je l'ai appelé, il m'a dit non, tu prends pas. Voilà. Donc tant pis. Et puis là je vais à la foire fouille, il n'y a pas grand monde. Et je me dépêche de rentrer après parce que j'ai pas mal de trucs à faire. Je suis partie un peu plus tard parce que on a regardé avec Rémi, il y avait un reportage sur l'île dorée. Et d'ailleurs si ça vous intéresse sur ma page Instagram, et vous avez dû voir la petite vidéo, mais sur ma page Instagram j'ai mis un concours pour remporter vos vacances avec votre location de vacances via le site Guest2Guest. Donc je vous invite à aller faire un petit tour sur ma vidéo et à aller faire un petit tour sur mon post Instagram pour tenter de remporter vos vacances gratuites. En fait c'est un système d'échange de maison, mais vous n'êtes pas obligé en fait la première fois de faire un échange de maison. Il faut simplement mettre votre maison en ligne, vous faites une annonce que vous pourrez après enlever si vous ne souhaitez pas qu'elle soit visible. Ouh là là, la lumière. Coucou, tu vas au WC? Oui. Donc coucou, au final je ne vous ai pas repris depuis tout à l'heure. J'ai toujours ma tête de pas maquillée, pas coiffée. J'ai travaillé sur l'ordinateur, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai le repassage à finir après, Rémi m'a aidé. Il s'est assis, il m'a aidé à faire le repassage. Et il va me faire tout à l'heure ma couleur parce que toute seule je vais pas y arriver. De le motiver, il a pas trop envie, mais bon, parce que comme c'est une couleur végétale, il faut que je la fasse poser pour la première fois 30 minutes. J'ai trouvé le thermomètre pour info, donc il faut que je la fasse poser 30 minutes. Je pense que je vous en parlerai en vidéo, peut-être, je verrai. Et du coup, faut faire mèche par mèche et compagnie, donc je préfère qu'il me le fasse. Ça sera, il verra mieux si vous voulez, et puis il vaut mieux être à deux, surtout que moi je suis pas très. Faire tout ça, je suis pas, voilà. Donc je vais essayer de faire ça ce soir parce qu'il faut d'abord que je lave mes cheveux pour enlever tous les résidus, qu'ils soient humides, qu'on applique la couleur, qu'elle soit mise au bain-marie et compagnie, qu'on la laisse poser une demi-heure, et après il faut que je le rince, que je garde ça pendant au moins 24 heures et pas d'eau pendant 24 heures. Et après 24 heures, pour fixer les pigments, il faut que je refasse, que je me fasse un soin d'huile. Donc moi je mettrai de l'huile de coco parce que j'ai pas pris l'huile Kadi. J'aurais pas le temps d'aller à la boutique bio, donc c'est pas grave, je la prendrai pour la prochaine fois. Et c'est une coloration qu'on peut refaire tous les 4 semaines à peu près, et qui aussi gaine le cheveu, apporte du volume parce que dedans il y a du henné. Voilà, je vais prendre mes affaires de Monsieur Voyou, je vais prendre les affaires de Miss Lily pour demain. Je n'ai pas regardé la météo, donc je ne sais pas comment l'habiller. Voilà, on va regarder ça et puis on se retrouve après avec les deux loulous pour le dodo. Je te dis de fermer la porte parce qu'en fait, pousse-toi, Jules.
Doucement. J'essaye avec ça depuis tout à l'heure, je n'y arrive pas. Ferme vite avant que ça sorte. Et je veux bien, moi. Il y a une mouche, enfin c'est un temps là-bas en haut. J'arrive pas à l'enlever. Non mais, non mais. Voilà. Moi je les ai sortir gentiment. Personne ne m'en veut rentrer. Là, la cruauté. La cruauté. Ah là là. Sinon, on en parle du ciel. Il y a un ciel magnifique. Et tu le verras mieux dans la chambre de Lucas. Oui, mais on le voit quand même dans la chambre de Lily. Et franchement. Mais de mon côté, on voit super bien, mais j'ai fermé mon volet. Il est franchement. Là, ça rend pas autant normal. C'est plus rouge en vrai. C'est plus rouge rose, mais c'est super beau. Franchement, quoi. C'est pas beau l'Auvergne, hein? Vraiment, c'est. Moi j'adore cette région, j'adore, c'est pas plat. Et quand on va dans des régions qui sont plates, bah j'avoue que ça me fait bizarre en fait. Voilà. Petite parenthèse du soir. C'est quoi cette lumière qui brûle? C'est des lumières qu'il y a dans des maisons ou des voitures. Allez Zou, c'est l'heure d'aller au dodo. Donc du coup, c'est Lucas qui lit l'histoire à Lily. Elle est pas mise comme il faut, c'est comme ça. Ah, hop, comme ça. Moi je m'assois. Hop là. Oui. Oh, il y a des pieds là. C'était les tiens. Écrasé par maman. Oh là là. Allez. Un filet? Un filet. Une corde? Une corde. Une scie? Une scie. Et c'est fini? C'est fini. Voilà. On a fini les schtroumpfs. Donc maintenant on va faire le dodo. Le dodo, dit-elle, pas motivée du tout parce qu'elle veut pas faire dodo. Mais demain il y a l'école. Demain. Je veux tout finir. Ah ben c'est pas possible. Maman, elle va aller faire sa couleur avec papa. Lâche-le, il veut pas. Je vais aller faire une nouvelle couleur de cheveux demain. Normalement, non, tu vas aller au dodo. Donc papa, il va me faire ça. Faut que je le motive, papa. Mais il a pas envie. Donc demain, vous me verrez avec des nouveaux cheveux. Donc il faut vite faire dodo pour voir maman demain avec ses nouveaux cheveux. Tu me diras si je suis jolie ou pas. Toi là, Cookie là. Ok. Pourquoi tu as mangé un jouet? Ah non, je serai pas au docteur, mais maman, papa il va me faire les. Oui. Julie, là, Cookie, là, il a marché sur le dos de Jules ou il a mal? Bon, laisse-le, c'est pas grave. Mais bon, allez, du coup, les enfants vous disent à demain. À demain, bonne nuit. Avec un coup. Bisous. C'est le dos du chien. Même si elle a fait mal à la pote. Elle adore ça. Coucou, je vous finis le vlog maintenant juste pour vous faire voir. On voit quasiment pas mais on est dehors donc vous voyez peut-être un petit peu. Mais du coup en fait j'ai quasiment plus de cheveux blancs, c'était le but. C'est très discret, peut-être que la prochaine fois je ferai quelque chose d'un peu plus rouge. Parce que j'aime bien quand il y a des petits reflets au burn, voilà. Enfin pas vraiment rouge mais vous me comprenez. Donc voilà, donc du coup je vais clôturer le vlog de dimanche maintenant et je vais enchaîner sur celui de lundi dans la foulée. Bisous.